salut à tous, c'est Lord Authentique. On se retrouve dans une nouvelle vidéo de présentation de mon tout premier Solex, mon Solex de compétition en roue de 19 pouces. Donc ouvrez bien vos oreilles et vous allez voir l'histoire et les détails de ce Solex. Allez, c'est parti, on y va. Alors c'est un Solex que j'ai acheté en 2008, j'étais très motivé pour faire des courses de Solex. Ce qui m'a motivé et ce que j'ai toujours vu depuis que j'habite la Haute-Marne depuis l'an 2000, c'est les fameuses 24 heures Solex de Chaumont. A la base, ce Solex était un bâtard, donc un Solex reconstitué, pourvu d'un cadre de 3800 avec un moteur de 2200. Mais en aucun cas, c'était un 3300. Voilà, c'était simplement de la récup de pièces un peu par-ci par-là que j'ai racheté à un cousin. Donc, je vous laisse regarder la photo. C'est de 2008, voilà dans l'état où il était en 2008. J'ai engagé ma machine en 2011 sans aucune préparation, c'est-à-dire dans sa config stock de l'année 2008. Mais sans la béquille et avec un coupe-circuit à l'arraché, donc avec le long bracelet, dans la catégorie origine, selon le requis demandé dans le règlement UFOLEP 50 à galets. Je vous laisse regarder une photo de l'arrivée de mes 24 heures Solex de 2011. Pour une première, c'était vraiment compliqué, mais on a quand même toutefois franchi la ligne d'arrivée. L'année suivante, en 2012, je fais appel au talentueux Solex Gump qui me confectionne un haut moteur qui marche du feu de Dieu, vraiment du tonnerre, une merveille de puissance. Que j'ai commencé à utiliser pour la saison 2013 et c'est grâce à ça que j'ai pu réussir à faire quelques podiums. En 2014, j'ai accordé une pause à mon Solex pour une nouvelle peinture, pour un pare-chute plus ergonomique pour la compétition et une mise en cohérence de tous les éléments de cadre afin d'être sur une bonne base d'un 3800. En parallèle, j'ai donné naissance à un autre Solex, donc son petit frère, qui est aussi un cadre de 3800 en roue de 16 pouces. Je vous le présenterai dans une autre vidéo. 2015, il est de nouveau de retour sur le circuit, avec la nouvelle peinture et nouvelle mouture et nouveaux équipements. Je vous laisse regarder la photo. Avec un deuxième haut moteur préparé par mon talentueux et meilleur ami Bruno. Malheureusement, la peinture étant de mauvaise qualité, j'ai décidé de refaire la peinture et d'opter pour 4 coloris pour la nouvelle peinture que vous voyez actuellement. Alors vous retrouvez dans les teintes râles les différents coloris que j'ai choisis. Le 9005 mat, donc vous le retrouvez ici. Ensuite, vous avez le 7004 mat, vous le retrouvez ici sur le pare-chute et là, à peu près là, voilà. Vous retrouvez le 1003 mat qui est ici, ici et ici, voilà. Donc c'est là un jaune. Et vous retrouvez le 2010 mat, voilà. Vous le retrouvez ici, un petit peu sur le garde-boue, voilà. Il n'est pas très présent, mais voilà. Il y a aussi le 2010 mat. Et tous ces coloris sont des coloris râles. Alors, les différents types de peinture, donc le jaune, l'orange, le gris, sont de la peinture de carrosserie. Par contre, le noir, c'est du thermolaquage. Et pour faire tenir tous ces coloris additionnels, qui est le gris, le jaune, l'orange, j'ai passé 3 couches de vernis mat, pour bien refaire sortir la teinte mat. Et une fois le travail terminé, je vous montre le rendu en photo de 2016. Thank you.
été absent sur les circuits en 2017, faute de temps, pour des raisons personnelles. Il y a eu une tentative de retour pour la saison 2018, mais ça s'est très très mal passé aux 24 heures Solex de Chaumont. J'ai eu 7 crevaisons, 2 pneus éventrés et une casse de volant magnétique préparée par Solex Gump. Imaginez-vous, ça fait un peu chéros en dégâts. Changement de catégorie en 2019 pour le passage à la catégorie origine améliorée, avec le montage d'un carter moteur usiné équivalent à celui vendu par Marcel Van de Vin, monté en partie sur le moteur préparé par mon ami Bruno. Et je vais vous montrer tous les détails que l'on peut trouver sur ce Solex. Donc sur sa globalité, on est bien sur un 3800. Alors on va commencer par le guidon. Voilà. Donc on retrouve des leviers d'origine. Hein. À la base, c'est des leviers de frein, mais je les ai convertis. Donc en fait, ce levier est tout simplement un accélérateur et des compresseurs. Alors quand on appuie un petit peu, ça décélère. Je les ai tout simplement remplacés par des leviers de frein, des bons leviers de frein cyclo, parce qu'on peut régler la tension à ce niveau-là. Voilà, pareil de ce côté-ci. Voilà. J'ai fait comme sur les vélos, donc ça c'est le frein avant et ça c'est le frein arrière. On retrouve les poignées grises. Voilà, un coupe-circuit, un manuel qui permet de couper. Ça fait le même travail que le coupe-circuit arraché. Donc là je n'ai pas ramené, mais il y a le bracelet qui est juste là. Une sonnette, voilà, donc je ne vais pas faire trop fort. Voilà, surtout pour avertir dans les allées des stands que l'on circule, parce que des fois il y a tellement de bruit de moteur qu'on peut porter à confusion. Le support de plaque numérotée, alors je vais le mettre après, mais je vais vous montrer comment c'est. Un contour, voilà, Sigma MC8, bon là j'ai pas mis, mais il est logé à cet endroit là. La poignée tournante qui fonctionne aussi, voilà, donc c'est bien de décélérer un petit peu. Et un support de caméra, ben voilà, comme vous savez je filme, donc voilà, quand je filme en caméra embarquée, je mets ma caméra juste là. On va descendre un petit peu plus bas, donc on retrouve un petit câble pour lever le moteur. Donc comme je vous disais, vous avez le fameux câble qui permet de lever le moteur. Alors de toute façon, là, comme on dit, ça sert à rien d'avoir un moteur levé en compétition, puisque en compétition on tourne tout le temps, il y a toujours le moteur qui est posé sur la roue prêt à rouler, voilà. Mais des fois, en cas de panne, c'est bien de lever le moteur et de rentrer au stand avec plus d'aisance, parce que si le moteur est bloqué, comment avancer? Donc simplement, je lève le moteur et j'accroche le moteur. Et là, la roue est libre, voilà. Voilà. Donc là, je peux avancer, roue libre. Dans certains cas, ce câble qui permet de lever le moteur, on peut aussi le retrouver dans cette petite trousse de secours à l'arrière. Alors, je vais l'ouvrir. Un peu dur, voilà, ah, c'est pas facile une main, voilà. C'est bon, j'ai presque couverte, voilà. Donc là on peut retrouver une bombe anti-crevaison, ah, des fois sur circuit, si des fois on crève en plein milieu du circuit ou juste après la sortie des stands, c'est bien d'avoir une petite bombe anti-crevaison pour pouvoir faire le tour du circuit et rentrer en stand et changer de roue. Voilà. Et je peux des fois aussi, à certains cas, mettre ce fameux câble qui permet de lever le moteur dans cette trousse. Alors, pourquoi je ne mets pas de poignée de relevage? Bah, tout simplement parce que ça casse. Déjà, à l'origine, un Solex routier, la poignée a tendance à casser. Alors, imaginez-moi en compétition, on fait peut-être une, deux, trois heures de course et bien la poignée est déjà cassée. Donc à la base, j'ai mis une platine de décompression pour Solex 5000. Voilà. Donc c'est ce que on retrouve en général sur mes moteurs. Voilà, qu'est-ce qu'on a sur un moteur? Voilà. Alors, on a un cache volant magnétique entouré d'un cerclage. Voilà, je vous montre, là, il est juste en dessous. Alors, ça, c'est obligatoire. C'est prévu dans le règlement 50 galets de l'UFOLEP. Voilà. Donc, mon fameux parachute, qui est très très large. Voilà. Mais l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de s'en soucier. Il n'y a pas besoin de devoir le démonter pour pouvoir démonter le moteur. Pour information, en compétition, on a droit à deux moteurs, voilà, je dis bien deux moteurs. Donc un moteur monté sur le cadre et un moteur de rechange prêt à fonctionner. Pour des raisons pratiques et de fiabilité, à titre perso, j'ai pas monté un capot phare de 3800, mais de 2200. Alors tout simplement parce qu'il est fixé
à ce niveau-là, au niveau de la molette, voilà. Ce qui est beaucoup plus fiable et ça permet de maintenir le capot phare avec les grosses vibrations engendrées par le moteur. Au niveau du moteur, voilà. Au niveau, vous voyez, le bouchon, il est différent. On a un long flexible, en fait, c'est un renifleur, voilà. Déjà, c'est pour éviter la dépressurisation du réservoir, éviter qu'il s'enfonce comme ça, voilà. Bon, là, j'exagère un peu, mais c'est pour donner un ordre d'idée. Et surtout aussi, un peu plus long pour éviter qu'il bouffe des merdes, voilà. Parce que les grosses catégories ont tendance à arracher de la gomme, et mieux vaut qu'ils soient inclinés vers l'arrière pour éviter qu'ils aspirent de la gomme, voilà, dans le réservoir, pour éviter que ça, l'essence de bouche. Donc on a un carbu qui est mis à l'air, de toute façon il n'y a pas trop d'intérêt de mettre le filtre à air puisque tout simplement, je ne sais pas si on le voit bien, mais là tout petit, là on a là deux orifices, je ne sais pas si on voit bien, on voit le cylindre, deux orifices qui s'appellent tout simplement des turbo boost. Donc les turbo boost ne sont pas protégés, donc pourquoi protéger le carbu puisque déjà les turbo boost avalent tout l'air. Alors les turbo boost, ça permet de compenser le manque d'air que peut fournir le carburateur. Alors juste derrière le carburateur, vous voyez, il y a un gicleur variable. Donc ça c'est propre à mes sacs de compétition. Il m'arrive aussi d'en mettre sur les routiers, voilà, pour pallier au problème d'effet 4 temps. Mais là c'est plus pour avoir de la perf. Qu'est-ce qu'on retrouve? Bon, le pot d'échappement, si vous regardez bien, il n'est pas fixé par une vis. Voilà. Il est tout simplement fixé voilà, par un ressort. Donc pour démonter le pot, je tire le ressort, je tire le pot et démonter. En compétition, écoutez bien, on ne doit pas perdre de temps. Voilà. Donc, optimisation du temps. Voilà, le pot fixé par un ressort. Le parachute plus large qui permet d'enlever et de retirer le moteur sans soucier du parachute. Ensuite, bon après, au niveau de la poutre, rien de basique, hein, toujours coloré. J'ai mis quand même le cale-pied d'origine, voilà. Pour l'esthétisme et éventuellement côté pratique. Hein, tous les pilotes ne sont pas au même gabarit. Voilà, l'assurance, voilà. Alors en compétition, la licence fait office d'assurance. Donc cette assurance est assurée par l'APAC. C'est un courtier en assurance. Et dans les dispositions de l'assurance, en fait, si moi en tant que pilote je blesse un spectateur, ça c'est couvert. Par contre, si ma machine blesse un spectateur, non, par contre là c'est pas couvert. Donc c'est pour ça qu'il est assuré, pour être couvert vis-à-vis d'un éventuel dommage sur un spectateur. Voilà. Donc vous retrouvez les fameux numéros, littéral, voilà, donc si vous me voyez sur circuit 440, eh bien c'est moi, tout simplement, voilà. Vous avez, au niveau du porte-bagages, voilà, à l'arrière, des butoirs parachutes, voilà, hein, c'est fait exprès, vous voyez, il y en a déjà usé, donc ça veut dire que j'ai déjà chuté avec. J'ai mis ça pour éviter d'abîmer le porte-bagages, voilà. Sur le porte-bagages, vous retrouvez aussi un support, alors c'est un support de batterie pour un super éclairage. Bon, là je ne l'ai pas mis, mais généralement pour les épreuves nocturnes il faut un super éclairage que je fixe en fait avec un long câble qui passe tout le long, voilà, que j'attache, voilà, que je ceinture au niveau de la poutre, je remonte et je ceinture au niveau du parachute, voilà, et que je refixe ici, voilà, voilà. Donc deux blocs lumineux de 1000 lumens, donc ça fait 2000 lumens chacun, et je peux vous dire que ça éclaire autant qu'une voilure de rallye la nuit. Donc je vous laisse regarder la photo avec les deux modules d'éclairage. Toujours dans l'optimisation de changement de pièce, alors j'ai mis un raccord rapide, voilà, donc je vais simplement le tirer, voilà, ce qui permet de désoloriser toute l'électricité du cadre, c'est-à-dire le coupe-circuit à l'arraché, le bouton coupe-circuit et l'éclairage arrière, voilà. Hop, et voilà, donc voilà, à partir de ce moment-là, il y a un raccord rapide électrique qui permet de dissocier le moteur du cadre, donc je vais le remettre, voilà, voilà, vous voyez, il est très rapide, j'ai su le remettre très rapidement. Alors, ce qui n'est pas d'origine, et ce que j'ai fait sur mesure, c'est des tringles de garde-boue, voilà, que j'ai faites spécialement pour mon sexe de compétition, voilà. Donc j'ai fixé des pattes, voilà, je les ai soudées, voilà, et j'en ai mis là en aluminium, voilà, pour faire tenir le garde-boue de la roue avant avec la grande bavette. Alors j'ai mis une grande bavette pour éviter d'avoir les pointes de talons trempées en cas de forte pluie durant la course, parce que les courses se font aussi, quel que soit le temps, hein. S'il pleut... S'il pleut, il y a déjà eu de la grêle, hein, il y a déjà eu de la grêle. Quelque soit, enfin, en cas de pluie, voilà, donc j'ai mis une grande bavette pour être couvert au niveau des pointes. Et surtout, je l'ai mis réutilisé de l'autre côté, comme je vous ai montré le pot. Voilà, pour plaquer le pot, j'ai fait cette tringle sur mesure, voilà, pour plaquer le pot contre la tringle. Et aussi, faire tenir le ressort. Alors, côté pédalier, hein, donc c'est un pédalier classique de 3800,
que j'ai simplement thermolaqué avec les deux bras aussi. Voilà, j'ai thermolaqué les bras, donc ils sont tous les deux en 9005 mat. J'ai mis des pédales de vélo, voilà, puisque ce serait bête d'habiter à mimer des belles pédales de Solex. Alors j'ai préféré mettre des pédales de vélo grip avec un petit côté grip. Vous voyez, elles sont un petit peu abîmées, donc elles sont déjà frottées par terre. Pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà, donc voilà. Ah, vous voyez, elles ont un peu frotté, donc c'est un Solex de compétition qui a vécu. C'est une machine de course, hein. C'est une vraie machine de course. Donc on retrouve aussi des rondelles métriques de visserie, hein, voilà, pour caler le pédalier. Alors l'axe de pédalier était chromé. Et ce que vous retrouvez par exemple là, voilà, je dis rien, ce que j'ai ajouté, ce qui n'est pas d'origine, c'est une petite buse de graissage. Voilà. Donc si vous n'avez pas ça sur votre Solex, je vous conseille de la mettre. Voilà, une petite buse M6 avec deux rondelles pour caler, pour éviter que ça frotte sur l'axe de pédalier. Hein, que ce soit un Solex de compète ou un Solex routier, voilà, je vous conseille de mettre ça. C'est génial pour graisser l'axe de pédalier. Alors ça peut étonner certains, mais en Solex de compétition, ben, on reste en frein à patin. Voilà. Hein, vous allez dire, ben, cette vitesse-là, frein à patin, ben, en partant sec, le frein à patin, ça freine très bien. Alors normalement, je pourrais, étant changé de catégorie en original muré, je pourrais mettre un frein à tambour, mais j'ai pas envie de m'embêter avec des modifications, donc je suis resté en frein à patin. Et pour l'arrière, bah, je suis resté tout simplement en frein tambour comme c'est prévu. Voilà. Et ça freine très très bien puisque grâce aux molettes, voilà, pour régler la tension, donc le frein tambour fonctionne très bien. Et donc pour l'éclairage, bah, vous retrouvez un feu normalement de vélo que j'ai légèrement scotché pour éviter de le perdre. Voilà. Comme je vous dis, en compétition, un Solex de compète, ça vibre énormément, donc il faut scotcher certains éléments. Et bien sûr, là, il est immatriculé. Alors, je cache l'immatriculation pour des raisons privées. Mais il est immatriculé parce que tout simplement, pour assurer, il faut immatriculer. Voilà. Mais ce n'est pas un Solex qui est prévu pour la route, je précise. Hein. Je ne roule pas sur la route. C'est simplement pour pouvoir l'immatriculer et pour les raisons que j'ai évoquées. Autre chose concernant la béquille. Alors, la béquille en compétition est interdite. Donc, ce que j'ai fait, j'ai rendu la béquille amovible. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Hop. Voilà. Je vais l'enlever. Elle tient un petit peu, voilà. Donc j'ai créé deux encoches, voilà, deux encoches qui permettent d'emmancher la béquille sous le support renfort pédalier, voilà. Je vais la remettre, voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la béquille est normalement interdite, comme je le disais, mais elle n'est pas interdite en cas de stationnement. Voilà, vous pouvez très bien mettre une béquille pour le stationnement de votre Solex de compétition. Par contre, elle est interdite en cours de course. Alors, je vous ai rajouté la plaque numérotée 440. Voilà, donc si vous me voyez sur les circuits numéro 440, c'est moi. Je vous ai aussi rajouté le compteur Sigma MC8. Voilà, le VLA. C'est là que je vois la vitesse, le VMAX, voilà, la distance parcourue, tout ça. Voilà, pour ceux qui ont ce modèle de compteur, c'est un compteur vélo. Hein, voilà, et ça marche très bien sur Solex. Voilà, et l'aimant se trouve juste ici. Voilà, c'est ici que le compteur se fait. Alors, l'aimant au niveau de la roue. Ah, ben le VLA. Le voilà, tac, et à chaque passage, voilà, un coup, bon, tout est réglé. Et puis je vous ai rajouté aussi le fameux coupe-circuit, voilà. Voilà, donc voilà, obligatoire en compétition, voilà. Donc si je chute et que je suis éjecté du Solex, voilà, tac, le coupe-circuit vient avec, et ça coupe le moteur. Alors maintenant que je vous ai fait le tour du Solex, je vais vous présenter les pièces détachées et accessoires pour ce Solex de compétition. Alors l'essentiel de mes accessoires se trouve dans cette caisse, voilà, donc c'est toutes les pièces détachées, utilitaires, petites bricoles qui peut être utile en compétition, voilà, sur une course. Donc je vais déballer avec vous le contenu de la caisse, voilà. Alors, hop, je mets le couvercle. Bon, il y a déjà quelques affiches, voilà. Alors, une petite pancarte, voilà, pour faire un peu de pub. Voilà, le nom de mon équipe, 440. Hop, bon, je déballe un peu, voilà. Ah, il y a une brochure des 24 heures Solex 21e édition qui trouve dans, qui traîne. Un réservoir de rechange, ça peut être utile parce que des fois si une fixation pète derrière ou le réservoir est percé, il y a même la durite. Alors je sais pas si on la voit bien, il y a la durite qui est là, déjà du jus, la durite qui est déjà dessus, voilà. Qu'est-ce qu'on a? Une boîte de rilsan, voilà, peut être utile si on a besoin d'attacher quelque chose.
Ensuite, du savon liquide, parce que c'est vrai quand on fait la mécanique, on se salit. Donc du savon liquide, c'est toujours utile. Ensuite, des grands rilsans. Alors ça, c'est plutôt pour attacher éventuellement la batterie. Voilà, la grosse batterie, comme je disais, sur le porte-batterie. Voilà, pour le super éclairage. De l'essuie-tout. Voilà, si on... toujours utile. Un support de plaque numérotée à l'avant de rechange. Alors c'est celui-là, c'est celui qui se met sur le guidon, voilà. Hein, donc voilà, donc c'est déjà arrivé. Celui-là derrière, il a même déjà cassé, donc on voit, il y a une soudure qui a été refaite, voilà. Ensuite, ah oui, un jeu de pédales de rechange, donc un pédalier avec plateau, déjà avec la pédale, et l'autre pédale déjà avec l'axe qui est déjà prêt dessus, déjà monté dessus. Donc voilà, si des fois il est tordu, je peux le changer, j'en ai un de rechange, voilà. Donc très pratique. Ah oui, les fameuses attaches pour attacher le câble du super éclairage qui permet de s'assurer autour de la poutre. Je sais pas dans la caisse, mais voilà, une poutre de rechange. J'ai déjà vu des poutres cassées au niveau de la soudure, voilà, ou même carrément là parce qu'elles étaient rouillées un petit peu à l'intérieur. Voilà, une poutre de rechange pour mon Solex de compétition. Ensuite, bon, un petit sachet, c'était quoi? Chaîne de pédalier. Ah oui, j'avais une chaîne de rechange. Des fois, ça m'arrive aussi d'avoir de la chaîne de rechange. J'ai déjà vu des chaînes cassées. Donc, à mon avis, elle est ailleurs. C'est pas bien grave. Un petit peu de visserie. Alors, c'est de la visserie spéciale, enfin, qui est plus adaptée, comment dire, à mon Solex de compétition. Voilà, en route 19 pouces. Donc, c'est vraiment un petit peu de la visserie ciblée pour celui-ci. C'est de la visserie pas chère, bon marché. Voilà. Ensuite, alors là-dedans on a un peu de tout, on a un crochet de relavage, je vais me sortir. Alors, je vais me remettre, après je vais ressortir, des feux additionnels, voilà. Les gros, c'est plutôt des petits feux d'appoint pour être vu et non pas pour voir, voilà. Un brumisateur d'eau, c'est des fois il fait chaud, ça peut être toujours utile. Un support renfort des pédaliers de rechange, de compétition, voilà. Avec, je vais vous le déballer. Voilà comment je fixe la béquille, voilà, c'est je passe les encoches là, tac, je passe comme ça et j'abaisse, tac, et ça tient. Donc voilà, un de rechange, donc je vais le remettre quand même dans son sachet, voilà, ou je vais le poser tout court même, voilà, comme ça qu'on voit bien. Une deuxième plaque numérotée avant, voilà, de rechange, parce que j'ai déjà cassé la plaque, donc, le plastique avait cassé, donc c'est bien d'en avoir une de rechange. Des fois, j'enchaîne sur un week-end, un samedi après l'autre, une course, voilà. Bon, il y a un peu de papier, c'est pas grave. Alors, j'ai déballé ce sachet pour vous montrer le contenu. Voilà. Alors, si ça veut bien sortir, oui. Voilà. Ah oui, un feu arrière de rechange. Voilà, il est tout neuf, hein, il n'est même pas déballé. Voilà, feu arrière de rechange, ça peut être utile. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ah ben, le compteur, voilà. En fait, ça c'est le compteur, mais enfin c'est sur le son petit frère, voilà. J'avais le compteur qui traîne là, mais bon, c'est pas grave, il était dedans, voilà. Donc voilà, j'essaie de ranger correctement à chaque fois. Je le remets dedans, voilà. Ah, comment ils appellent ça? Voilà, un coude de frein, voilà, mais ça c'est utilisé dans le cadre de la sirène, donc j'en ai une deuxième pièce de rechange, voilà. Les bouchons anti-bruit, tiens, bon, ça peut toujours être utile, hein, si des fois j'ai pas mon casque. Un tendeur de frein arrière de rechange, voilà, parce que j'en ai déjà un dessus, là, donc c'est un tendeur supplémentaire, voilà, donc il va faire avec un raccord de tige filetée et deux tendeurs M6, voilà, qui est dedans. Hop. Bon, ça c'est une petite rondelle de calage pour la poignée de gaz, voilà, sans importance. Un ressort de pot d'échappement de rechange, donc qui permet de plaquer le pot vers le haut, voilà, donc je le mets dedans. Une paire de freins à patins, voilà, de rechange, toujours utile. Et un crochet de relavage légèrement modifié, voilà, je vous laisse regarder, hein, tant que ça tient comme ça sur le guidon, avec le petit trou pour faire passer le fameux coude, voilà, qui est là, le coude. Je fais passer le coude dedans, l'extrémité du coude, et hop, voilà, c'est ce qui permet de faire maintenir le système de relavage, voilà. Donc en fait, il n'y a pas de poignée de relavage qui vient s'encocher, mais plutôt
coude du système de sirette, voilà, qui est juste là, hop, avec cette pièce là. Donc une pièce de rechange, si des fois elle casse, ça peut toujours être utile. Voilà. Et ça, ah oui, et puis une durite de trop plein d'essence, voilà. Voilà. Durite de trop plein d'essence, je sais pas si on la voit bien, voilà. Trop plein d'essence de rechange. Alors, c'est pas tout, mais aussi j'ai des roues de rechange. Donc j'ai une roue arrière, une deuxième roue arrière de rechange. Donc si je fais crevaison, on change la roue. Tac, on met celle-ci et on repart, et pendant celle qui est crevée, ben on prend le temps de changer pendant que le Solex continue à faire des tours. Pareil pour la roue avant, voilà. Donc ça, c'est une roue avant de rechange, même principe. S'il y a crevaison, on change la roue, le Solex repart et on change la crevaison pendant que le Solex roule. Alors on pousse encore plus le vis. J'ai aussi des pots d'échappement de rechange, voilà, j'en ai un, j'en ai deux et j'en ai 3, voilà, 3 pots d'échappement de rechange. Et à titre d'information, voilà, j'utilise de l'huile. Voilà, l'huile moteur de temps, c'est de la Motul 800 off-road. Voilà, c'est pour ce que j'utilise. D'ailleurs, pour tous mes Solex, que ce soit routier ou compétition. Mais celui-là, voilà, je suis à 2,5% pour mon Solex de compétition. Maintenant que je vous ai fait le tour du Solex et de ses accessoires de remplacement sur l'ensemble, on va voir ensemble, sur un défilé, voilà, le palmarès de cette machine, avant de conclure cette vidéo. C'est tout pour cette vidéo, c'était la présentation de mon Solex 3800 de compétition, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, allez à plus! Merci de votre attention, pour me soutenir, mettez un j'aime, laissez un commentaire, partagez la vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.